a gagné 3 aussi, mais c'est de la chance aussi, tu sais. C'est oui, Zizou, remise c'est de la coupe dans quelques instants, et c'est Zidane qui est sur le terrain qui va la donner. Voilà. Je sais pas à qui là, mais enfin, il a la coupe. C'est entre eux, hein, c'est la boutique Real. Hein. Ouais, c'est leur ville. Groupe. C'est Zidane qui la donne à Ancelotti. Je veux bien tout ce qu'on veut. Ce soir, Dortmund tire pas un corner bien, tire pas un coup franc bien. Bah le Real non plus, jusqu'au but, il n'y a rien de correct. Tous les corners de cross sont magnifiques. Tous les coups francs sont magnifiques. Donc maintenant, on en est pour parler du Real et parler d'un corner bien tiré. Ok, ça va, c'est bon. Excuse-moi, le but de Carvajal, c'est un corner absolument sublime. Oui, c'est bien ce que je dis. Donc le Real, maintenant, c'est une équipe qui s'en remet au coup de pied arrêté. Dans le jeu, c'est affligeant, Fred. On parle foot, dans le jeu, c'est affligeant. Que Carlo Ancelotti fasse jouer une équipe de foot de cette façon, c'est affligeant. C'est affligeant. J'ai l'impression que le Real gagne pour t'emmerder, en fait. J'ai l'impression que tu penses que je suis assez important pour ça. Merci. Victoire. Parce qu'il y a 2 ans, face à Liverpool, c'est exactement. Ah ouais, c'était affligeant. C'était affligeant aussi. Je pense que t'es pas là, que t'es en train de dormir ou que t'es à la plage. Mais contre Liverpool, c'était pire. Qu'on a remis c'était les pire. Bandes pire. C'était pire contre Liverpool. Ben ouais, mais c'est ça. Moi, je veux bien. Non, mais c'est vous les plus forts, Fredo. C'est toi le plus fort. C'est toi. Non, moi je vais vous dire. C'est toi, tu supportes l'équipe la plus forte au monde. T'es content. Il y a comme témoin. Coach et Jean-Louis, quand à un moment, 5 minutes avant le but, je dis ça y est, c'est en train de basculer côté Real. Parce que mais bravo, Fred, qu'est-ce que je te dise, moi. Non, on peut rien dire d'autre que tu bravo, c'est ce qu'on fait depuis tout à l'heure. Parce que on dit bravo. Walid a dit quelque chose d'important. Le Real sait gérer les moments de ce genre de match.